c'est la terre d'Israël. Parce que Dieu a promis à Abraham, mais aussi à Isaac, à Jacob, tout comme il a promis aussi aux Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte, donc elle est promise, c'est la terre d'Israël. Dieu dit à Abraham, à titre d'exemple, il lui dit, tu auras une longue progéniture, une très grande descendance, et je te donne la terre d'Israël en héritage.